Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va? Fou. Ça va très bien. Fou. Ça va très très bien, merci de ne pas avoir demandé. Et du coup, Ça, je aujourd'hui, t'ai pas le demandé. rematch, c'est pas grave, on n'a Oh pas le temps. putain. Le rematch de Turbo Fog GTI, j'ai pensé à. Fou. 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 Pardon. Deck incroyable? Ouais, deck incroyable s'il en est. Et pourquoi on refait une vidéo? Pourquoi on refait une vidéo? Parce que sur la première vidéo, j'ai bien aimé comment elle a été tournée, parce qu'en fait, Ouais. on découvrait le deck. On a fait le deck en réaction au tweet de Raphaël Lévy, mais sans savoir comment s'était placé le deck, parce que nous, à l'époque où on a fait la vidéo, il y avait seulement le top 4 standard du Pro Tour. Comme info, on savait juste que ce deck avait été joué au Pro Tour et qu'il n'était pas dans les 4 Voilà. meilleurs. Et que Raphaël Lévy avait dit que le deck était impressionnant, mais qu'il pouvait lui chier dans les mains. Voilà. Donc Et du donc coup, du coup. partant de ce principe et de la liste et de ce qu'on savait un peu, parce qu'on avait joué des versions un peu similaires. Les gens avaient essayé, en fait, ça fait déjà des mois que les gens essayent de jouer Nexus of Fate, qui avait des choses qui s'approchaient. Mais en fait, avec des synergies superflues, les gens essayaient de jouer Omniscience, Change-Lieu, Creuser des mondes, plein de choses en fait qui font que on n'en a pas besoin en fait dans la version finale. Et donc tout ça pour dire que la première fois qu'on a présenté le deck, on n'avait pas idée d'en fait à quel point ce deck il est important. Et on Très s'est dit fort. que qualitativement parlant, il fallait refaire une vidéo On peut mieux expliquer tout ça. pour mieux expliquer le deck, déjà parce qu'on a un petit peu appris les synergies, chose qu'on n'avait pas à la première Les vidéo. petits tricks. Qu'on a quelques statistiques et que ce deck a un petit peu d'histoire et qu'on a envie de le présenter peut-être de manière plus qualitative. Et aussi, on a rajouté le sideboard parce qu'à la base, on vous a dit bon, on va pas partir en BO3 avec ce deck. Grosse erreur. Grosse erreur. Partez en BO3 avec ce deck, vous pouvez. Très fort. Très fort avec un petit side du coup qui est quasiment complet. Voilà. Sur le côté qui est très simple, en fait 4 cartes uniquement. Ouais, On en on y parlera reviendra après. after. On Du coup, va. Ouais, vas-y. on a Je gardé voulais la pas te version couper. de Raphaël Lévy. Et aussi celle de Lee Sichian qui lui a placé le deck à la 11e place du Pro Tour. Ouais. Parce que Raphaël Lévy, lui, ne l'a pas placé top 16. Et il y a aussi une version qui diffère un chouïa, qui joue pas d'Anticipate, qui joue pas les Bene of the Sen, mais qui joue des Glimmer of Genius et des Tracer Incap. Mais grosso modo, l'idée est la même chose, faire de la value, enfin partir en tour supplémentaire avec Nexus of Fate et gagner à Teferi, Ça. qui lui s'est placé top 5. Donc voilà, donc Turbo À Fog. ça du top 4. Ça du top 4 a fait top 5 à ce fameux Pro Tour, le Pro Tour des 25 ans. Minneapolis. Et je crois qu'ils ont été trois à ramener cette liste. Donc du coup, Lee Sichian, Raphaël C'était pas Lévy et 4. David Williams. Et je ne sais pas si un quatrième, j'ai pas Ah, eu le quatrième, on l'a pas vu dans la liste, mais voilà. la rumeur dit La qu'il y aura rumeur un dirait qu'il quatrième. y aurait un quatrième. Donc Pardon. en fait, ils ont setup ce deck-là. Et c'est beaucoup moins anodin que ce qu'il y paraît. C'était pas du tout pour passer un petit Pro Tour rigolo. Au Ah ouais. contraire, le deck est vraiment Grosse très erreur de notre très très part. fort. Très 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 fort. Alors en même temps, on peut pas le deviner parce qu'on l'avait pas forcément joué, on savait pas si c'était placé. Et C'était le deck, on revient de vacances. On a vu ça, On a vu nous, ça, on a on vu était ça sur le foufou. Twitter de Vas-y, on va Raphaël jouer Lévy. ça, quoi. On s'est dit ça a l'air incroyable, ça l'était, mais encore au-delà de notre espérance. Et il faut Bien au-delà. savoir, j'ai pas trouvé non plus de stats officielles, mais le deck aurait eu plus de 80% de win rate sur ce Pro Tour. 4 parties gagnées sur 5, c'est énorme. Incroyable. Et les joueurs, parce que c'était un pro tour en équipe, donc les joueurs de l'équipe qui avaient ce deck-là dans leur équipe disaient qu'ils avaient déjà un bail en fait d'avoir ça avec eux, parce qu'en fait en gros ils Ah considéraient que la partie standard allait forcément être gagnée par ce deck. ouais. Bah, de toute façon, quand tu fais plus de 80%, c'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, ce deck-là, il est arrivé comme un ovni au Pro Tour. Il y a, alors, de ce que j'ai compris, il y a des gens qui l'avaient déjà un petit peu testé avant. Et comme on vous a dit, il y a des gens qui cherchent à jouer Nexus of Fate depuis longtemps et tout. Mais au grand public, pouf, ça a fait immersion. Immersion? Non, ça ne se dit pas. Immersion, Ouais, mais immersion, c'est en mode. émergence, Ouais, ça a émergé au ça a Pro Tour. Ça a émergé. été connu au grand public. Et donc en ce moment, c'est le deck dont tout le monde parle, détesté par beaucoup. Détesté par beaucoup, ouais. On a eu des commentaires Surtout sur Magic Arena. très négatifs en disant Contre le deck. il fallait jouer, il fallait se mettre à FK contre le deck et tout. Faites pas ça, franchement, c'est pas vrai. Au contraire, la méta va s'adapter, je pense. Les gens vont apprendre à Ouais. faire avec, les gens vont apprendre à le contrer. Je veux dire, c'est pas ce deck-là qui a gagné le Pro Tour. Il y a quand même moyen de le battre. Il faut que les gens s'adaptent. Nous, je trouve que les mecs qui ont créé ça, à ce point de régularité, de qualitativité, bah franchement, c'est beau, c'est super beau. Et donc, du coup, voilà, il mérite cette belle introduction qu'on lui Qu'on a lui réservée, du consacre, coup, qu'on lui consacre. On va un petit peu parler du deck, du coup, pour entrer un petit peu plus en détail, maintenant qu'on sait un peu plus qu'est-ce que fait le deck. Les deux je te points laisse la centraux du souris. deck sont donc le Nexus of Fate et le Teferi. Vraiment, c'est les deux cartes clés. Ça va vous permettre, donc, lui, donc comme la carte le dit, de jouer un tour supplémentaire. Et le Nexus of Fate va se remélanger, ce qui vous permet, donc, du coup, de partir en infinité de tours supplémentaires quand vous avez un certain setup.
Et le Teferi, lui, va juste servir donc du coup à piocher des cartes. Détaper de land, c'est super important. Et optionnellement, de tuer le mec, parce que quand vous allez faire l'emblème, que vous allez jouer une infinité de tours et compagnie, au bout d'un moment, vous allez piocher, vous allez partir en Nexus. Et puis, à terme, si le mec ne concède pas, vous avez une condition de victoire avec le moins 3 de Teferi, en fait. Vous avez aussi une condition de victoire avec Nissa. Pardon, elle est ici. Et vous avez une condition de victoire avec Karn Sion d'Urza aussi, quand vous êtes sous tour infini. En créant les tokens. Exactement. Pourquoi c'est important de dégager les deux landes sur Teferi? Parce qu'en fait, vous jouez des Gift of Paradise. Donc ça, vous équipez un land, ça, enfin vous équipez, vous enchantez, c'est pas la même chose. Vous allez gagner 3 PV et votre land, il ajoute 2 mana de la couleur de votre choix. Donc déjà, au-delà de vous fixer et de ramper, ce qui va être son premier but, en fait, quand vous allez détaper 2 lands qui sont eux-mêmes sous Gift of Paradise, ça va vous rendre 4 mana. Si vous êtes sous Serment de Teferi, vous allez pouvoir récupérer 4 landes, dont 2 sous GIF par exemple, ça peut vous faire 6 mana. Ça peut aller très très vite, sachant que si, admettons, vous faites une game, vous faites une sortie en mode tour 3 Gift of Paradise, tour 4 vous faites Teferi, à la fin du tour je détape 2 landes pour pouvoir fog, pour protéger mon Teferi. Au tour 5, vous détapez, vous avez Teferi sur table. Si vous passez le jeu en full control, vous pouvez faire fin du tour, on engage 2 terrains, on prend 2 mana en pool. Kappa de Teferi, vous détapez vos deux terrains. Avant la fin du tour, vous engagez tout, vous avez 7 mana, vous pouvez commencer à partir en Nexus of Fate. Il est très important de passer en full control, sinon vous ne pourrez pas engager vos manas pour répondre à la capacité en fait, de Teferi. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, on espère pouvoir vous montrer ça dans la game après, sinon voilà, on l'aura dit ici. Donc voilà, autour de ces deux choses, tout le reste du deck s'articule, vous avez les gifs donc du coup pour faire tout ce qu'on a dit là, les anticipate pour aller chercher les Nexus, vous avez les charges for Ascanta, parce que pareil, ça va vous permettre d'aller chercher les Nexus, permettre d'aller chercher ce que vous avez besoin dans le deck. Les 8 Fog qui donnent le nom au deck, qui sont donc les cartes qui permettent du coup de broyer aggro et midrange, donc qui vont vous permettre de vivre jusqu'à setup l'espèce de setup létal en fait, fatal. De tour infini. De tour infini. La Nissa, pareil, elle est là pour son Scry 2. En fait, vous faites Scry 2 avec Nissa, vous piochez la carte avec Teferi. Sur la dernière game de la première vidéo, on joue un petit peu à l'envers, maintenant on le fera pas. Voilà, et en fait le deck est aussi simple que ça, et les gens ont été chercher très très loin, alors qu'en fait la simplicité, l'essence même du deck, il est là quoi. C'est ça, la beauté. Il est là. Je montre juste les landes, je vais passer sur le layout, comme changer le layout pour montrer les landes. On a pris la mana base de Raphaël Lévy hein, pour le coup. D'ailleurs, on va passer le jeu en français, je viens de voir. Ouais, l'habitude de jouer en anglais, vas-y fais-le. L'habitude de jouer en anglais, du coup on voit presque plus la diff. Yes. Donc du coup le deck est vachement fort contre tout ce qui est midrange, il est quand même très correct contre aggro, même si bon mono rouge ou rouge noir sur bonne sortie ça peut à peu près tout battre. Par contre contre contrôle c'est compliqué, c'est pour ça que vous avez un sideboard de nazi quoi. Ouais. Voilà. En fait vous êtes tellement bien contre tous les match-up à part contrôle que le sideboard c'est uniquement pour contrer contrôle quasiment. Ouais, vous allez rentrer 4 défaites de Jace, donc contre sort qui contre un sort bleu. 4 négations. Et 4 Carnage Tyrant, nous on en a qu'un, c'est pour ça qu'il en manque 3 dans la liste, désolé. Mais on avait, comme vous le voyez, plus assez de mythiques pour créer les 3 qui manquent. Et en rentrant toutes ces cartes là, vous rentrez 12 cartes, donc c'est un gros potentiel, déjà une créature incontrable. Donc c'est une condition de victoire, parce qu'il faut mettre que 3 coups de Carnage Tyrant hein, pour tuer un adversaire contrôle. Voilà, et puis si le mec il a ses protéger brasses, avec des feux de Jace, avec négation, pour, quand votre adversaire va jouer des brasses. Parce que normalement il va enlever ses anti-bêtes. Logiquement, puisque vous n'en jouez pas de créatures à la première game. Pour rentrer ces 12 cartes, vous allez enlever contre contrôle vos 4 brumes de pollen et 4 collets de racines. Donc ça fait déjà 8 places. Vous enlevez également 2 sous le sable, un don de paradis et une anticipate. Par exemple. A voir vos affinités. Si vous sentez que Nissa contre contrôle, ça fait rien, vous pouvez enlever une Nissa également. À voir comment vous le sentez dans le match-up, mais en gros c'est ça. Ça paraît difficile, tu te dis ouais, ça doit déstructurer le deck, tu rends 12 cartes, c'est énorme. Et en fait, non, tu vous enlevez 8 fog quoi. Ouais. Genre les 8 fog ils sortent instantanément contre contrôle, donc du coup c'est pas si déstabilisant que ça. En vrai, vous avez vraiment 4 cartes à la rentrée. Parce que au fait, les 8 fog ils sont insta décidés quoi. Les proscriptions, c'est pour gérer notamment les planeswalkers qui sont un peu le cauchemar du deck. Quand on se prend une Chandra qu'on peut pas gérer, si jamais on part pas en combo assez vite, l'ulti va nous tuer dès qu'il est activé. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à rentrer 3 proscriptions pour gérer Planeswalker et peut-être un ou deux contres
hein, ou une ou deux négations pour ne pas justement se prendre un arpenteur. Parce que vous savez que la Chandra va arriver sûrement au tour 4, qu'un Teferi arrivera au tour 5. Donc c'est les tours sensibles où il faudra faire attention à ça. Et pour faire de la place, vous pouvez enlever sous le sable, je pense, pour rentrer vos proscriptions, vos negates. Et vous faites de la place en enlevant un petit peu par-ci par-là, peut-être un don de paradis, une short sur Ascenta. On n'a pas encore assez tryhard, peut-être qu'on n'a pas assez de recul pour avoir exactement les bonnes tables de side sur le coup, mais... C'est l'idée, quoi. Ouais, en tout cas. Dans l'idée, c'est ça. Et du coup, on va partir avec, tout de suite. Yes. Pour voir ce que cela donne. Bah, normalement, ça donne bien. Normalement, ça donne bien. Le match-up qu'on veut pas rencontrer, surtout en BO1, c'est contrôle. Ouais. Ah ben, en BO1, que, c'est compliqué. Voilà. Du coup, on fait pas de BO3 sur ce deck parce que les parties sont relativement longues. Donc, si jamais on fait une vidéo en BO3, on va vous montrer qu'un match-up. Alors que là, l'idée, c'est d'essayer de vous présenter deux, voire trois parties pour voir différents match-up, comment ça se passe. Ok. Tu la gardes. Je la garde parce que désanticipé est une search. Ouais. Et si je top deck juste un land, je peux faire sous le sable. C'est bon. Donc voilà, en début de partie, on a envie d'avoir un peu de quoi creuser le deck, de quoi mettre la stratégie en place. Exactement. Des fogs, au moins un pour tenir. Bon, là, on en a pas, mais. Les fogs, c'est pas forcément obligatoire dès le début de la game. Anticipation à fog, parce qu'on peut aller chercher un fog avec anticipation. Mmh. Hop là, là parce je vais développer ça tout de suite. Ouais. Parce que les fogs sont vraiment importants quand il y a vraiment un board conséquent. Parce qu'en fait, genre les premiers PV, à moins que le mec joue rouge et qu'il peut vous blaster donc du coup à distance, c'est pas grave de descendre low life en fait. Mmh. Si le mec ne peut vous tuer que sur le board, bah même si vous êtes à 2 PV, si vous tuez que sur le board, c'est pas grave, vous allez fog au bout d'un moment à tous les tours, ou alors le mec ne jouera plus. Exactement. Tu vas Plaine, on va laisser au-dessus de la bibliothèque et la piocher. Et tout se passe bien, sinon tu aurais fait anticipate dans un land. Ouais. Je ne vais pas nier ça, parce que si je la joue et que je la passe à 3, il suffit qu'il pose une bête blanche. Une bête blanche pour me tuer. Donc je pense que je vais juste sous le sable en rituel. Tu t'accélères, ouais, carrément. Tranquillou. On va aller chercher, je pense, à mana bleue. Parce qu'on a plus de choses bleues qu'autre chose. Pour le coup, là, ouais, ok. Pour l'instant, ça permettrait de faire double anticipate peut-être, tour prochain. Non, je pense que c'était le bon play. Le bon play. On va prendre 2 points de dégâts, peut-être 3. Voilà, on va prendre 3 points de dégâts. Il l'aurait fait. Donc, il a vu de quoi tuer Nissa. On aurait perdu Nissa, donc on ne fait pas. Je vais garder, je pense. Ouais. Au cas où. Je préfère pas prendre le risque. Ouais, tu préfères au cas où de pas l'avoir. Ok, ça me va. Parce que si jamais. Pas prendre le risque de ne pas l'avoir. Je me dis, je fais anticipate et j'ai pas de fog. C'est peut-être. Je vais perdre un tour à pas foguer et ça va peut-être me tuer. Est-ce que tu veux chercher ton land là? Là, je pense que je vais anticipate. Ça va mal payer. Est-ce que je peux annuler? J'ai un petit problème de souris. Non, ça a pas mal payé parce que tu ne fogues jamais sur ce board là. Ah oui. Dans tous les cas. Donc ouais, t'es obligé de prendre ton port de l'arrière pas dans tous les cas. Du coup je vais prendre mon land. C'était une belle carte Teferi, dommage. Il reviendra, on en joue 4. Ah, en plus je peux fog en fait, parce que j'ai le mana vert. Oui, mais dans tous les cas c'est pas grave, tu veux pas foguer ça de toute façon. En fait, plus le board est conséquent, plus fog est rentable en fait. Oui. Par contre, encore une fois, on vous le dit, si vous jouez contre mono rouge ou rouge noir, vous pouvez commencer à foguer plus vite. Dès qu'il commence à vous mettre plus de 3 points de dégâts. Quende. Ah. Ah ben là, on va par contre foguer parce que sinon on prend 12. On passe à 5 du coup. Tu peux foguer, ouais. Et encore qu'il y a un monde où t'acceptes de passer à 5. Hein. Tant que ça te tue pas, il te mettra jamais les points à distance. Hein. C'est vrai. Je vais prendre les points de dégâts. Pan, pan. Pan, pan. On va faire anticipation à la fin du tour. Comme ça, tu peux faire Karn Fog par exemple. Je vais prendre un land là. Ah, tu peux pas faire Karn Fog avec ce land. Du coup, pour ce cas, prends Nexus alors. Parce que là, tu vas chercher un land avec, avec à la recherche d'Ascanta. Cimetière. Pioche. Ah. Un land qui arrive engagé. Bah, tu vas faire Nissa Fog. Je vais faire Nissa Fog du coup, ouais. Je peux faire Nissa à 3. Ouais. Alors, du coup, moi chez moi, pour jouer ce deck, parce que j'ai un peu joué le deck, par contre, j'ai désactivé l'autotap. Ouais. Voilà, donc là pour le coup on l'a pas fait, on va faire attention comment ça paye, mais si vous jouez ce deck, désactivez l'autotap, c'est super important. Vous pouvez juste perdre en fait sinon. Mmh. Donc en plus j'ai un petit souci de souris qui des fois relâche le clic. Ouais. Alors que je clique encore, donc du coup ça me joue des cartes sans faire exprès. Regarde. Ouais. On a envie de piocher ça, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu veux un land de plus, donc déjà tu gardes pas le Nexus, ouais. Et t'as envie de piocher ça, oui.
Oui. Pour gagner tant que tu pars pas en tour supplémentaire, de toute façon, ouais. T'as envie de pouvoir fog à tous les tours maintenant. Et on va terminer le tour. Alors faut faire attention aussi parce que j'ai perdu des games par exemple contre Mono Bleu Agro ou contre Ondin. Mm-hmm. Parce qu'au moment où tu fog, si tu te prends Spell Pierce, tu perds. Ouais. Voilà, c'est arrivé et voilà, il faut faire attention un petit peu à ça. Bon là, dans les couleurs, tu risques pas grand chose. Il peut développer n'importe quel board qu'il veut, c'est pas gênant du tout. Tant qu'on a un fog. Et ben on a un fog. Non. Nous en bibliothèque. On le pioche. Je sais pas si vous entendez le tonnerre, ça gronde fort par chez nous. Tu fais plus 2. Je vais faire un petit regard 2. J'ai enlevé juste un land qui arrive engagé. Ouais, t'as envie de garder la forêt. Quoique. Bah, tu peux laisser les deux parce que là je vais faire carte plus 1. Et alors ? Quoique non. Bah non, parce qu'il va te donner le land justement si tu fais carte plus 1. Ouais. Donc je laisse comme ça. Je vais faire carte. Ça paye bien. Ouais. Ouais, j'ai mes deux bilans encore détapés. Je pourrais faire un collet de racines. Plus 1. Ok, bon là, peu importe le land, je suis content. Que tu vas pouvoir lander, tu vois, que tu vas pouvoir déposer d'ailleurs. Et maintenant, là, il nous manque plus qu'un Teferi dans la strat pour partir en live. Exactement, donc il y en a un qui est tout en bas. Mais déjà là, c'est pas déconnant de. En fait, on fait beaucoup de value parce qu'on trie avec Nissa plus 2, ouais. Regard. On récupère une carte avec Karn et on peut déjà faire un tour supplémentaire, donc ça veut dire qu'on peut faire deux fois les kappas. Ouais, ça va commencer à être bien là. Il faut. En plus, on a une search for Ascantea qui devrait bientôt se retourner. De toute façon, quand elle va se retourner, ça va sûrement nous trouver les clés de la victoire. Ouais, après, on a beaucoup de cartes dans la bibliothèque. À voir. Il y a un monde où on n'a pas de chance. Tu te fais chier dessus. Ouais. Et ça sort pas dans le bon ordre, quoi. Hop là. On prévient toutes les blessures de combat. Il vise même pas les Planeswalker, hein. C'est dans la boule. Ah bah là, il se dit s'il a pas de fog, j'ai gagné, quoi. Ouais. Donc, il a plutôt raison. Alors, j'aimerais bien. Ah, bon, moi je vais garder. Tu vas le garder dans tout, au cas où. Parce que j'aurais bien aimé le mettre à la. Tour d'après. Au cimetière. Tu te sens, tu vas jouer un tour supplémentaire. Oui, c'est vrai. Enfin, si tout se passe bien. Du coup, si je joue un tour supplémentaire, ça ne sert à rien de faire le regard 2. Pourquoi ? Si, ça va trier le pouvoir de carte, pardon. Ouais. Parce que là, tu n'as pas envie de reprendre un land dans tous les cas. J'enlève ça, j'ai pas envie qu'il me donne. Veux ni l'un ni l'autre, pour le coup. En fait, tu les veux plus maintenant. Après, ça va être remélangé, donc c'est pour ça que je disais que le regard 2 était moins intéressant. Intéressant. On va voir ce qu'on nous donne. Un Nexus ou une île. Bon, je pense qu'on va récupérer. Je pense qu'il va donner une île et le tour d'après, tu reprends Nexus. C'est ça qui est trop fort. Ça, c'est trop bien. Donc, Nexus. Du coup, là, on pose une île. Nexus. Tour supplémentaire. Et là, c'est beau, là. Ouais. La carte est très belle. Hein. La belle carte. Et Nexus, et nous, dès qu'on a vu Nexus avec PL, on s'est dit putain. Ouais. Et comme tout le monde on a vu en fait. L'éphémère, surtout. Tout le monde. L'instantanéité de la chose. C'était instant, ouais. Cimetière. Ça va au cimetière. Tout le monde s'est dit on transforme. Putain, quoi, il faut jouer un truc comme ça. Ah, c'est trop beau. Bah ouais. Pioche. Bon, nous, on était loin de la bonne version. On avait déjà testé en live, on avait joué avec Omniscience, Change-le pour vider les Landes. On avait fait des trucs quand même, mais pas aussi beau, quoi. Oh, bah tiens, Teferi, très bien. Ouais. Hop là. Ah, et du coup je vais récupérer mon Nexus mais je vais pas le jouer parce que sinon je perds mon Teferi. Ouais, c'est pas grave. J'ai pas envie de perdre mon Teferi. Ok, bah récupère quand même ton Nexus par contre. Récupère le Nexus. Ça paraît bien. Je sais qu'il y a deux fogs en main de toute façon. Donc tu risques pas grand chose quoi. De toute façon dans ces couleurs là tu risques rien. Oui. En plus, à la fin de son tour jouer un Nexus. Je vais pas le faire mais je pourrais également. C'est que vous avez vraiment des match-up imperdables quoi. On va faire fin de tour. Et on fera quand même Ascantea pour prendre le Teferi. Ouais. Nous piocher une carte. Ouais, exactement. Enfin, c'est comme si ça nous faisait piocher une carte. Ah bah vas-y, mets tout le board que tu veux, Yugi. Vas-y, vas-y. Pioche toutes les cartes que tu veux, Yugi. Je joue mon grand-père, le maudit. Joue contre Alternative. Ouais. Tu penses qu'il a des alternatives ou pas? Bah, je pense qu'il tente un deck alternatif déjà avec Quende et son araignée sur la tête. Ok. Ah, j'avoue, j'avais jamais fait gaffe qu'il avait une araignée sur la tête. Non, c'est ses cheveux en fait. Mais on dirait une araignée de loin. Oh merde! Pardonnez! On aurait dit une migale quoi! Bah franchement, il mec, est incroyable! En même temps, ses cheveux, on dirait des petites patounes! Ouais! Non mais franchement, j'y ai cru hein, de loin! Ah moi j'y ai cru! Déjà de près, j'y croyais un peu encore! Ouais, ouais! Étonnant quand même! Hein. Quende! T'es étonné! Fierté. Plutôt celui-là, parce que l'autre se recycle! Ouais, il y a un ça monde où être il sera intéressant! Ouais. Quand tu pars en tour supplémentaire, tu recycles quoi! Ouais! Blocage!
Bah là, tu peux jouer un tour supplémentaire en fait. Hein. Mais non, parce que je perds mon Teferi. Ah oui. Toujours oui. penser que ça se oui, mélange. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'initiative. Blessure. Que ce soit d'initiative ou pas, tu vas pas les infliger, okay. dans tous les cas. Et donc là, le monsieur, normalement, est censé pouvoir. Enfin, devrait quitter. Voilà. Mm. Genre, c'est. Oh, matière. C'est trop tard. C'est dead. Alors, est-ce qu'on peut jouer Teferi? Si on pioche un land, on peut jouer Teferi et Naxxus. Ouais. Mon tour. On pioche un land, c'est mais très t'es bien. Beaucoup trop bon, toi. Bon, voilà, il a, bon, il a compris. En fait, là, j'avais assez de mana pour pouvoir faire Teferi. À la fin de mon tour, je dégage de land, j'ai 7 mana. Tour supplémentaire. Et ça allait vraiment puer pour Ah lui, bah quoi. c'est fini maintenant, parce que tu faisais plus 2 de Nissa, tu scryais, tu faisais le plus 1 de Teferi pour piocher, t'avais Karl qui pouvait aussi te trouver des ressources, tu avais ta charge Foraskanta pour chercher d'autres Nexus, donc en fait à partir de là t'avais ton setup où Ouais. le mec ne pouvait plus gagner. À moins que les Nexus, sur un mauvais mélange, aillent tout au fond du paquet. Les 3 Nexus, mais c'est pas grave, au pire t'avais des Et fogs pour qu'en tenir. plus, j'ai pas de fog. C'était impossible. Normalement, c'est Entre scry impossible. 2 plus Askanta plus la pioche, Ouais. c'est impossible. Très bonne main. Eh ben écoute, on va la garder. Enfin, si on tombe contre aggro, c'est une bonne main. Oui. Si on tombe contre contrôle, Bah, de toute façon, de base, qu'on c'est bif contrôle à bof. la 1, si vous n'avez pas votre side, c'est pas très bien. Donc on va jouer une terre arable irriguée. Que veut dire arable? Eh bien, je ne sais pas. Quel est le mot elfique pour arable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est moi qui commence maintenant. J'avais un doute. N'est-ce pas? Le doutage. Et on va jouer une forêt dans ton Oh, il prochain. s'appelle Biscotoso. Biscotoso. Mais je Ok. sais que biscotto, ça veut dire biscuit en italien. D'accord. Ah ouais. Hop Eh là. ben, écoute, tu vois, quand tu te prends Elf tour 1 avec ce deck, tu sais que t'es, enfin, t'es content, quoi. Là, Il il y va a plein de poser des decks. bêtes. Hein. Il y a plein de Par decks où tu contre, prends Elf tour 1, t'es pas content. tu sais que tu vas fog très vite contre ce deck, par contre. Parce qu'il va poser Ouais, une mais bête. t'es sur un Ah non, match-up en fait. correct, quoi, tu vois. Oui. Ah, t'es bien. Oh, pose tout ce que tu veux, y a Ah, pas de souci. baliste. Après, baliste. Ça tue. Donc attention. Ça tue, faut lui laisser des tours pour que ça tue. Hein. Ah, Tu je suis penses, embêté. hein? Je Ah, peux tu pas peux le pas jouer. la jouer. Je peux pas le jouer, en même temps, c'est très bien de l'avoir. Moi j'aime bien, puis ça te donne des lives et Ouais. tout, moi je Ouais, je garde. pense que je laisse au-dessus la Ouais. bibliothèque. Je pioche. Je vais jouer un bosquet éparse. Et fin de tour. Ouais, et tu Je fogues même pas ça. vais. Non, j'ai pas fogué. J'hésite à recycler ma terre arable irriguée. Parce que j'ai pioché une carte, je vais pouvoir scry avec Shard C'est tendu, je le ferai Askanta. pas Ouais. moi. Je le ferai pas. Sachant qu'au tour prochain, je sais que je vais jouer ça à 3 mana. Ouais, bien sûr, mais si tu veux lander quand même à tous les tours Jusqu'à mes 18 ans. jusqu'à tes 18 ans, tous les jours tu veux poser un Eh land. oui. Et Et ça du coup, fait à beaucoup 18 de ans, land. t'as beaucoup de mana à Hein. dépenser. 365 x 18. Ah ouais, Sachant t'es qu'il y a bien des quoi. années où en fait c'est 365 et demi, 366. Ouais. Ah, mais il y a des fois, peut-être, t'oublies de poser un land. Entre Attends. des 0 à 18 ans. Déjà, je pense que des 0 à 3 ans, t'oublies de T'oublies lander. tout. T'oublies de lander tous les jours, tu vois. Tu sais pas te nourrir, Après, enfin. normalement, les parents, ils landent pour toi, mec. Si t'as des bons parents, ils landent pour toi. 365 x 18, ça fait combien? 4803. 365 C'est x pas 20. vrai. Ça fait plus de 6000. Ça fait plus de 8000. Plus de 6000. Oh, allez, on arrondit à 7000. Ouais, je fuck pas. C'est-à-dire que t'as 7000 mana. Franchement, t'es bien, hein. Tu convertis ça à la place de poser un land, t'avais mis 1 € dans une tirelire. Eh À mais 18 ans, t'as 7000 e. il faut avoir une bonne main, parce qu'à 18 ans t'as 7000 mana, mais t'as pas une bonne main. Ah, tu fais rien quoi. Tu fais rien. Tu fais fog. Et on va prendre deux gentiment. Oh, oui, vas-y. Mon Non. tour. Ah, tu Ouais. vois, j'aurais recyclé un fog par contre. Si j'avais eu les fogs qui se recyclent. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Oui. Oui. Bon, tu prends le Je mana. pioche. Ouais. Ah, jusqu'à mes 18 ans. 18 ans, je prends le mana. Ok, ça va. Du coup, par contre, est-ce qu'il peut accélérer un petit peu? Non, je vais pas. Je vais Peut-être jouer qu'il ça joue quand la même. technique, la fameuse de je vais jouer AFK Mettre AFK. jusqu'à. Ah, ce serait pas gentil de sa part, mais Mais bon. nous on va pas partir quoi. Genre tu peux être AFK. Ah ouais. Nous, on va rester jusqu'au bout et gagner la partie. Voilà. Donc si tu fais ça, tu perds autant de temps que moi j'en perds. Mais du coup, ouais, pour ceux qui ont entendu cette technique, mettez-vous AFK, c'est un deck de merde et tout. Franchement, quand il y a des mecs qui arrivent à ce niveau d'exigence, à ramener ça en Pro Tour, à créer une liste pareille. Respecter le deck. Franchement, respecter le deck et je veux dire Ou concéder.
Il y a moins de quoi être en colère que ce que faisait Mono Rouge il y a quelques temps, quoi. Ouais. Et surtout, on croise pas tant que ça ce genre de deck. Pourtant, vous savez qu'on est des hommes salés, nous. Ah oui, oui, à nous, on a le sel facile, mais. Voilà. Par contre, il y a un abonné qui a donné une très bonne technique si on rencontre ce deck, c'est d'être AFK et d'aller regarder une vidéo de Magic Arena FR. Ah là, pour le coup, on vous en voudra pas du tout si vous le faites. Oh, sauf si ça tombe contre nous. Non. Moi, je me dis, je joue contre un abonné, il va voir une petite vidéo en même temps. Ah, mais c'est son petit plaisir. Ah, mais tu le sais pas, quoi. Tu sais, il n'y a pas les mots en mode « Regarde, va les PL ». Mais je sais pas, quoi. Au fond de mon cœur, je vais le savoir. Cemetery. Cemetery. Au bout d'un moment, on va piocher quand même des trucs actifs, quand même. Elle serait sympa, quoi. On va jouer cette forteresse glaciale. Bon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Ben non. Ouais, de toute façon, t'as pas envie de faire un tour. C'est un tour supplémentaire jeté pour rien, là. Ouais. Là, c'est genre piocher une carte. Pour 7, je pioche un. Waouh. Rentable, hein. Je pioche un. Mais en fait, je détape 7. Donc en fait, pour 0, je pioche 1. Ouais. En vrai, ça va. Pour 0, je pioche 1, ouais. Ça, c'est, on le jouerait quand même pas, mais... Ce qui est dommage, c'est qu'il met vraiment beaucoup de temps à passer mon tour, alors que moi, je ne fais rien. Mais s'il regarde une vidéo de Magic Arena, c'est toi qui as dit que c'était pas grave. Oui, mais là, je sais qu'il le fait pas, lui. Et tu sais pas. Je pense que Biscotoso, n'est pas en train de faire ça. Écoute, si Biscotoso, tu regardes une vidéo de Magic Arena, s'il te plaît, mets-le dans les commentaires, que je me moque de PL. Mais si tu le fais, merci beaucoup. Voilà. Du coup, là, on va prendre 5 points de dégâts. Oh, bah, prends. Prendons. Juste. Comme Chandra. Il faudra arrêter de Chandra prendre. Le prendons. Chandra le prendons. Il faudra arrêter de prendre. Au bon moment. Bah, quand et là, tu j'ai pourras... envie de fog, hein, parce que ça, ça met 4. Hein. Non, mais c'est bon, justement. J'allais dire, en fait, tu peux fog que quand tu sais que Balist sera létale. Et là, Balist, pour l'instant, elle n'est pas létale. Par contre, le tour d'après, Balist sera possiblement létale. Je vais foguer, ouais. Fog. Cimetière. Oh, c'est relou quand même, hein. Pioche. Yosh! Anticipate, ah. Ça c'est actif. Allez, est-ce que je pioche un tour de plus? Non. Là tu fais anticipate et coller de racine. Non mais anticipate fin de tour. Ah tu peux. Non, moi, tu je peux setup parce un Teferi. T'as raison. Teferi, ça s'en va et ça revient Teferi. Après Teferi ça se fait OTK par. Par baliste. Teferi ouais. Il arrive, la baliste elle fait. Comme dans Star Wars quoi. Hmm. Bah ça se recycle, le truc se recycle à 2 je crois. Ça? Ouais. Ouais. Ça va, t'en as déjà 2, ça devrait le faire, non? Plus le tour supplémentaire, ça fait 3. Est-ce que je vais chercher un land ou je recycle? Ah tu moi je pense que tu recycles. Hein. Enfin, y a pas d'intérêt de recycler en rituel, donc passe ton tour. Ouais. T'as pas le temps, là, je calculais avec ma mana. Je calculais avec ma mana si je pouvais faire un truc, si je piochais quelque chose à 3 mana. Ouais, bah en fait j'ai vu le setup où tu piochais Nissa, mais tu pouvais pas fog. Donc c'était pas bien. Je pensais à Gift, moi peut-être Of Paradise, mais j'avais il plus manquait de un mana pour que il ça soit rentable. Ouais. Voilà. Et même parce que le deck est pas trop dur à jouer, mais en même temps il est dur à bien jouer. C'est ouais. Ça qui est intéressant. C'est vrai. C'est-à-dire que le deck est pas trop dur pour vous amuser. C'est plus simple de vous amuser avec ça que par exemple avec Storm Paradoxical Outcome par exemple. Mm. Ou franchement, il y a des decks qui sont genre bien jouer blanc bleu contrôle, même vous amuser avec blanc bleu contrôle, c'est pas forcément évident. Ce deck là, vous allez facilement vous amuser, mais en même temps, il a un level d'exigence un peu supérieur quoi. Mm. Et on en est vachement loin, on n'a pas du tout la prétention de dire Lee Shi-Tian et David Williams, GG d'avoir mené ça dans un pro tour quoi. Ah, une île, je suis content. Par contre, ils ont dû passer un très bon pro tour. Ouais. Putain. Tu te ramènes avec ça beaucoup et... moins. Tu te ramènes avec ça et t'arrives top 16, tu te régales quoi. Pioche. Ah, cimetière, t'as pas peur toi. Hein. Bon, ça va. Tranquille. Parce que tu pioches bien aussi. Nil. Nissa à combien? À 12. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a plein de manières de bien jouer. Et si peu là. Nissa à 3, en vrai, on s'en fout. Nissa va faire que des regards 2. Ouais. Mais j'investis ma mana. Tu peux, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 3 pour coller de racines. Allez. Ok. Il y a plein de manières de jouer correctement, mais en vrai, de trouver tout le temps le meilleur play, c'est compliqué. Attends, je vais annuler. Mince, on peut pas annuler, on est obligé de payer à X non, égale non, 11. Non. Tu fais X, voilà. Bah, j'allais dire ça en fait. Et je vais engager comme il faut mes manas. Pourquoi? Parce que si ça m'engage toutes mes sources de verre, je ne peux plus fog et je perds la partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc X égale 4. Hop là. Ah
Après, c'est, je sais pas pourquoi on a tout investi, il y a pas d'intérêt, mais en tout cas, on peut rien jouer d'autre. Donc, C'est du mana qui serait perdu. Donc, Ok. S'il jouait bleu, on l'aurait pas fait pour pas se prendre. Syncope. Syncope ou Spell Pierce ou quoi. Et donc, je disais, ouais, il y a plein de manières de jouer correctement le deck, mais trouver le meilleur play à chaque fois, c'est assez complexe, quoi. Il y a plein de routes qui se dessinent. Vous empruntez peut-être les bonnes routes, vous allez arriver à destination, mais la route la plus courte, vous l'avez peut-être pas empruntée, quoi. Ouais. Ça, c'est une belle métaphore. Bah ouais, tu vois, ça m'est venu comme T'as écrit un bouquin en ce moment ? Je devrais. Tu devrais, je pense. T'as pas de stylo, c'est pour ça ? Ouais. Je vous le dédicace. Et je l'envoie aux abonnés. Oh ! Sympa. Hein. T'es humble, Val. T'as vu ça ? C'est dingue. T'as raison. Bon, par contre, est-ce qu'il a quelque chose à redire à chacun de nos plays ? Hop là, on est content. On a pioché beaucoup de landes. Hein. Ouais. J'ai oublié combien il y en avait la liste, mais. 26. Voilà, beaucoup. Et. Ouais. À mettre un marqueur à ce après, sur la liste. Si tu landes pas tous les tours, c'est. Tu fais une death avec rouge-noir aggro, ça va. Ouais. Tu fais une death avec ça, ça va pas du tout, quoi. Ah bah, quand tu joues des spells à 7. C'est. Genre, c'est pas possible, quoi. Ah bah, tu fais rien. Alors. Tu regardes l'adversaire te rouler dessus avec son panzer. Oh non, tu vas faire fog. Ouais, ok. Puis il va jouer, puis il va saucer. Au bout d'un moment, t'as plus de fog. Tu vas faire la merde, j'ai plus de fog. Et voilà. Mais en vrai, c'est même dur de faire une death avec ça, parce que si t'as juste des fog et deux mana, bah tu tiens. Et sachant que tu vas pas fog tout de suite. Ouais, mais tu vas pas aller chercher tes fog si t'es en death, quoi. Ouais, mais si tu pioches pas de land et pas de fog, t'as vraiment pas de chance. Ah, j'avoue. Mais y a, tu sais qu'il y a des mondes où ça arrive. Ouh, il y a des mondes que je connais où ça arrive. C'est un peu, si. C'est on disait que ça servait à rien d'investir les manas, mais si, parce que sinon Balist one-shot et Nissa. Oui, effectivement, putain, c'est fou, on a bien joué sans le savoir. Oui, mais enfin, on a bien joué, on savait qu'on jouait bien. On savait que dans tous les cas, on avait que collé de racines, mais c'est vrai que tu vois, tu papotes et on se dit, ouais, son board il est inoffensif, mais en fait, Balist c'est chiant. Là, il peut mettre marqueur et tout, Ouais, il peut quand même le faire. Si le fait, on est tranquille, parce que moi, ça va me donner quelques tours sans fog sans problème. Là, donc, on va retourner la petite recherche d'Ascanta. Retourner la petite. Ça va au cimetière. Ouais. Oh, j'aurais pu le garder, remarque, non. Vu que j'ai transformé. Je pioche. Et là, tu peux commencer à partir en Nexus. Bon, je sais pas. Ça dépend du... Ah, et là, tu fais pas Nexus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je mets 5, j'ai 4. Attends. 4 et 3... Ah non, c'est bon parce que regarde, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 4 mana. Je détape 2, dont lui, 7 mana. Ok. Popre. C'est incroyable. Il faut que t'engages avec le gift par contre, hein, obligatoirement. Ah ouais. Voilà, vous allez voir pourquoi le deck est ok. Il est plus qu'ok. Mais... Pourquoi le deck est fort. On va se faire un petit regard 2. Vous faites toujours le regard 2 de Nissa avant le plus 1 de Tef, évidemment. Vous faites pas la même erreur qu'on a fait. Bah, tu ça, vas tout mettre ça. Dessous parce que maintenant il va non, plus jouer. Donc tu veux juste des bonnes cartes. On va piocher une carte. Ah là tu vas plus t'amuser mon pote. Je sais pas si le stop est nécessaire dans Magic Arena mais je le mets au cas où. Ouais. Oh bah tiens, on pioche une forêt en plus, on est en royal. Il faut faire gaffe parce qu'il peut one shot Tef là. C'est vrai. Mais tant pis. Ouais. Il va donc pas le faire. Ouais, à mon avis il va le faire mais... Je sais pas. Mais s'il le fait on est quand même pas trop mal. Du coup on aurait dû garder Teferi. Parce qu'il y a cette possibilité là tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Terminer le tour. On va dégager deux terrains, résoudre. Ça et ça. Ouais. Et on va jouer Nexus. Et juste avant la fin du tour, on joue un petit Nexus du Destin. Mais c'est bizarre qu'il l'ait pas fait, du coup. Après, il peut encore mettre un marqueur et saucer. Hein. Oui, c'est pour ça. Et il peut même le faire pendant notre tour, parce qu'il va passer à 6, et lui, il peut faire sa baliste à 6. Ben ouais. Terminer le tour. Zubida. Un peu dommage, du coup. Qu'on n'ait pas gardé Steferi. Bon. Écoute. On va aller le chercher. C'est la redoute. Écoute encore. C'est le Roquefort. Ah, je voulais dire le Roquefort, mais j'hésitais, tu vois. Je garde Anticipate. Vas-y, tu prends Anticipate, ouais. En vrai, ce que je veux, c'est Nexus. Ben, Anticipate, ça va chercher Nexus. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui. C'est vrai. Ah ouais. Après, est-ce que c'est pas mieux de. Est-ce que tu trouves. Tu cherches Anticipate. Bah oui. Est-ce que tu trouves pas mieux. Attends. Trouves pas mieux avec Search for Ascanta qu'avec Anticipate un Nexus. Alors, tu vas engager 4 mana, il t'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dépasses. Ouais. Donc c'est peut-être mieux. Enfin, peut-être t'as mieux. Plus de chance du coup. Parce que là, si t'as pas Fog ou Nexus, t'as perdu. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah.
Ah, non, mais dont ça, on ne perd pas du coup. Dont ça fait vivre. Ouais. Du coup, maintenant, tu pars sur 1, 2, 3, don 4. Plus anticipate. Je peux encore anticipate et trouver un nexus. Mais tu fais d'abord don anticipate. Ah, non, tu peux encore vivre. Enfin, vivre. Je peux encore nexuser, quoi. Ah. Nexuser, c'est marrant. On va prendre un carme, du coup. Hein. Ok. Bon, là, tu fais don. Pour je vivre. Vais faire don. Et on peut encore piocher avec ça, donc au final ça va. On peut encore trouver. Il y a encore un monde où on trouve ce dont on a besoin. Oui. Mais là, si par exemple il te descend carcasse, Geralt, bah t'es mort. Après, l'a-t-il ? L'a-t-il ? On va dégager ce terrain. Et ça, si tu dégages ça, est-ce que il y a un monde où t'as assez de mana pour le faire et trouver non, j'aurais pas les couleurs. Non, bah alors tu dégages. Ouais. Alors tu dégages. Ouais, alors tu t'en vas, mec. Terminé le tour. T'as compris ? Ok. Fin de tour, il va mettre un marqueur. Il a peut-être eu raison de pas défoncer notre Teferi, parce qu'il s'est dit, oh, ils sont cons, ils vont pas piocher leur fog. Je vais les saucer. Tu crois que c'est de notre faute, c'est notre bêtise ? Bah non, mais bon. Mais lui, il a setup notre parce que, malchance, quand même, tu vois. Sur 36 cartes, on commence à bien creuser, quoi. Ouais. Tu regardes les cartes les 4 du dessus, plus 2, donc 6, plus une pioche, donc 7. Après, c'est ce que je disais. 10, t'as regardé 10 cartes du dessus, t'en as pas eu. Je te l'ai dit en plus. Après, ce que disait Raphaël Lévy, hein, il peut juste te chier dans les mains, quoi. Il y a un monde où. Écoute, on va tout de suite recycler ça. Prions. C'est maintenant. Fog, c'est tout de suite, là. Ah, c'est pas un fog. Eh ben, on est mort. Ah, c'est dommage. Ah, c'était rigolo comme game. Mais pas du tout. Pas du tout. Sur 11 cartes, du coup, on n'a pas eu notre fog. Non. Dommage. C'est pas grave. Eh ben, écoute, du coup, l'éventualité où on ne pioche ni fog ni terre supplémentaire que je parlais tout à l'heure, c'est avéré réel. Eh ben, vous mourrez, tout simplement. Vous mourrez. J'en suis fort aise. Eh bien, jugez maintenant. En tout cas, deck incroyable. C'est bizarre de le dire après cette game-là. Bah, regardez, c'est incroyable. Bah oui, c'est incroyable. Avec toutes les chances qu'on a de piocher, on pioche pas. Ouais. Non, mais aussi, heureusement que ce deck perd. Parce que si on fait, comme on l'a fait en stream, 7 victoires d'affilée. Non, c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir pour le coup comment va s'adapter la méta. Si au prochain GP, le deck va être amené. Si, parce que là, je veux dire, il y en a eu deux dans le top 16 au Pro Tour, alors qu'il n'y avait que 3 ou 4 manieurs. Et imaginez un GP où il y a 600 mecs qui ramènent ça. Est-ce que le top 8 c'est turbo fog? Déjà, il y a 600 mecs énervés. Non, mais tu vois, ils arrivent comme ça, comme ah. Genre, je me demande, tu vois. Mais il y a déjà eu un tournoi avec 300 joueurs, il y avait 0 turbo fog dans le top 8. Ah, mais est-ce que il est peut-être qu'on a eu la liste maintenant, mais est-ce qu'il a été joué après le Pro Tour? Je pense qu'il a été joué après parce que c'est un tournoi MTGO et généralement les listes sont en direct. Ok. Ah non, après, justement, regarde le top 8 du Pro Tour, nous on l'a pas eu. Non, parce que moi j'étais en vacances. Les tournois MTGO c'est en direct. Comme oui, tout oui, est numérique, sûr. En fait les listes sont beaucoup plus vite visibles. Oui, voilà, mais eux il faut qu'ils aient eu la liste du Pro Tour en direct et ils l'ont peut-être pas eu. Oui, mais si on l'a eu là, ça veut dire que le tournoi a eu lieu il y a pas longtemps. D'accord. Donc logiquement, ça a eu lieu après le Pro Tour. Okay. Après, bon, ça se trouve, de la 9e place à la 300e, c'est que Turbo Fog. Mais on sait pas. Ouais, on sait pas. Mais justement, j'ai hâte de voir, en tout cas, sur un d'accord. prochain gros donc event. Donc lui, il n'a pas le temps. Il ne dispose pas du temps, comme tu le dis. Pioche. Je pioche. Ok, petit don de paradis. Ça fait chier parce que si on prend Field of Ruin, bon après, c'est pas le genre de deck en face qui... En plus, c'est beaucoup moins joué, je trouve, Field of Ruin. Ah bah si tu joues contrôle, c'est futé, tu field of ruin dans tous les cas. Mais avant, fut un temps, tous les decks qu'on avait dans la base, tu vois. Ouais, c'était quand c'était il n'y avait pas Kaladesh, tous les decks étaient un peu moins petits, tu sais. Vaut mieux que je le mette là-dessus, parce que ça me donne le type plein et heal, okay. Pour que d'autres lands arrivent dégagés. D'accord. Mais bon, en tout cas, le mec qui te fait choc T1, il joue pas de field of ruin. Voilà. Il se dit pas, faut que je casse ses terrains. Non. Il se dit, faut que je casse sa bouche. C'est ce qu'il fait là. Et il te casse la bouche. Cimetière. Parce que j'ai beaucoup de land déjà. Pioche. Ouais, on va vite la retourner hein, si tout se passe bien. Bon, ça va qu'on a deux fog. Je vais piocher. Mettre ça engagé. Non, moi je pioche. Ah, tu pioches bah, avec ça. T'as un milliard de land, ouais. Donc je pioche, je garde un fog et je land. Bon, même si tu fogueras pas là en fait. Mais lui il a des blasts. Donc lui on va commencer à foguer un chouïa plus tôt. Ouais. Pas maintenant. Fin de tour. Mais. On a 5 mana.
On a plus de 8000. Plus de 8000. D'accord. Donc vous faites ça. J'en suis fort aise. S'il me rejoue un spell, je fog, je pense. Non, même pas. Bah, je prends 4 là. Ouais, tu passes à 12. Voilà, c'est bon. Ouais, mais en fait, il pioche 2 cartes. Ah, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il a une main. Ah, il va s'en défausser. Si, il a 3 si, cartes si, en main. S'il met 12, s'il te met 12 à la main au blast, il est très très fort. Comme tu disais, c'est très rare qu'on pioche pas de tour infini et de fog. Et la game d'avant, on l'a pioché ni l'un ni l'autre. Donc moi, je pense, vu que j'ai 2 fog, j'en joue. Fais donc, fais, mais. Est-ce que tu veux que je te rappelle une game où j'étais à 16 points de vie contre Mono Rouge? Non, mais. Et ouais, il m'a volé ma bête, il lui a mis plus 4 plus 0, et bon, il l'a splaf. Tu prends pas le passé ou des trucs incroyables et tout. Moi, je te parle juste en termes de statistiques de maniement du deck. Je vais garder ça, je crois. Je pense qu'il y a un monde où où tu fais pas ça. Je voilà. Garde le land. Hein. Je sais pas, je suis pas sûr. Si je garde le land, je fais carte fog. Ok. Tu voulais piocher quoi, toi? Des choses qui creusent un peu. Teferi. Ouais, Tef surtout en fait. T'as vraiment envie de setup Teferi très très vite. Et ouais, donc du coup, ce que je disais, si tu prends en compte les games qui sont mal passés et tout avant, tu optimises pas tes plays, tu joues en réaction à des trucs qui sont passés qui étaient what the fuck en plus, tu vois. Non, mais là, c'est pas. Oh, bah, je suis content de récupérer. L'un ou l'autre. L'un dans l'autre. Récupérer pendant Don du Paradis. Mais... Ouais. Lui, il va pas me le donner, voilà. Bah non. Mais je vais le récupérer au tour prochain. Est-ce que ça te permet de retourner à Skanta rapidement là? Si je le joue? Ouais, non. Bah, si je le joue, je fog pas déjà de sûr. Ouais, donc c'est pas bien. Sachant que ces Gitou Lavamancer ont maintenant la célérité. En fait, non, mais je voulais fog parce que là, de passer à 12, ça met dans une situation où le tour où je poche pas de fog. T'es mort? Ouais. Je suis pas bien, tu vois. Ouais, ok. Alors que là, d'être encore à 16 maintenant. Donc là, peut-être que tu fog pas là. Peut-être que là, je fog pas, tu vois. S'il me met juste 4, pas de blast, pourquoi pas? Ouais, ça revient un peu au même en fait. Je sais pas, j'apprends vachement mal, je pense, le match-up contre Rouge Aggro en fait. Surtout que lui, il pioche beaucoup. Parce que je me dis, à 12, le mec, faut quand même qu'il ait 4 frappes foudroyantes pour te. Tu vois, il y en a déjà 2 qui sont partis là. Parce que là, du coup, tu refog encore? Ouais, je suis à 13, si je fog pas, je passe à 9. Ouais, du coup, t'es obligé de refoguer et. C'est chiant, hein. Sachant que j'ai pioché un Don du Paradis, gagner 3 points de vie, je vais pas foguer ce tour-ci. Je pense pas. Parce que je fais Don du Paradis ton prochain. Ok. J'aurais bien aimé qu'il me tape card, mais bon, tant pis. C'est à l'initiative, ça? Ah oui, ça va avec le spell qu'il a joué. Ouais. Mon tour. Ça va être compliqué, celle-là. Ça, je vais le garder. Parce encore que c'est mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour être sûr de pouvoir faire Nexus. Land. Ouais. Ouais, mais on a rien d'actif, quoi. Je pense qu'il faut cimetière. Est-ce que je la retourne vite? 4. En fait, dans tous les cas, tu fais pas Nexus ce tour-ci parce que tu vas faire Gift. Ouais. Ouais, je vais mettre au cimetière du coup pour peut-être creuser un peu plus. Ouais. Comme on vous dit, peut-être qu'on joue pas forcément bien. Il y a plein de moyens d'arriver à l'arrivée en fait. Mais c'est pas évident. Et non, ça va payer avec ton land basique. Et tu ne veux pas. Tu ne veux jamais ça. Ouais. Hop là. Puis on va faire le plus 1 de. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4 mana. Donc je peux encore faire récupérer mon don, le jouer sur ça et pouvoir fog. Allez, ça me va. Ça me paraît, ça, je ça gagne 6 points de vie le même tour et je me sens frais. Et t'as tes mana et du coup t'as bien fait de jeter le land. Du coup. Ouais. Mais bon. Et du coup, ouais, en fait faut que je le mette là-dessus. C'est ça encore paye bien. Ouais, ça paye encore mieux que, okay, que ce que je paye assez. On regagne 3 points de vie. Passe à 15. Petit accent québécois là, sorti de nulle part. Est-ce que je paye assez? Est-ce que je paye assez? Ouais, j'aime bien. Je le fais très mal, mais j'aime bien. Ok. Et je ne le ferai pas en vidéo. En tout cas, pas dans celle-ci. Trop tard. Je ne le ferai pas plus. Ok. Ok. En fait, là, avec les points de vie que j'ai gagnés, je pensais pouvoir faire fog, mais finalement, je vais sûrement pas le faire. Ouais. S'il me joue pas d'autres créatures. S'il a pas toutes les lightning strikes de son deck. Et il en joue 8. Ah, c'est vrai qu'il joue aussi le. Et ouais. La foudre. Et tu vois, là, par contre, je vais peut-être fog parce que je prends 5. S'il a un sort, je prends beaucoup plus. T'es à 10, moi je fog pas. Ah, je vais foguer. Est-ce que ça prévient? Ah, ça prévient que les blessures de combat. Ouais. Ah ouais, sinon. C'est dommage. C'est plus hein. Simple. Attaque. J'espère qu'il n'a pas un spell pierce. Ah, ça serait incroyable. Ah, je serais déçu, je me mange la main. C'est bon. Ça va. Cimetière. Ouais. Transformation. Pioche.
Et on pioche beaucoup de terrain quand on même. Pioche beaucoup de terrain, ouais. Ça tourne mal l'explication. Ok, on va avoir une belle porte de l'arrière-pays. Ouais, est-ce qu'on va pas perdre tout seul là? On risque de perdre tout seul, ouais. Je vais poser ma plaine. Ah, il nous a donné Nissa. Pourquoi? Sympathique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et 10. du coup, tu fais Nissa, Scry 2, Nexus. Tu peux? Attends, j'ai 3 dons. Ah non, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux faire Nissa dans Nexus Ouais. Destin. Comme ça, au Ce moins, que je je vais fais double faire. Scry 2 et il y a un moment où on peut commencer à partir. Peut-être, hein. Ouais, après le Scry 2, je le fais dans le vent là, parce que je vais faire Nexus. Ah ouais, donc en fait, ça sert à rien. En fait, faut le faire avant, avant Karn, mais du coup, on n'avait pas Karn. Ouais, ça sert Bah, je à m'en rien. fiche, de toute façon, parce que je vais jouer le Nexus du Destin. Ou alors, tu... Ouais, tu penses qu'il faut... Ah bah oui, maintenant que j'ai Scry nul. Non, pas forcément, parce que... Ah, je voulais pas ce land donc. Ah d'accord, ah t'as mal Scry. Bah oui, parce que je sais que ça allait être mélangé. Ouais, mais il y a Parce un qu'on monde est où tu fais, parti y a un sur. monde où tu fais pas Nexus. Il y a un monde où tu fais juste à scan ta fog. Et Eh si ouais, tu mais l'as non. pas, t'es pas forcément Non, mort. non, maintenant faut que je fasse Ah bah Nexus. maintenant, Parce que je me oui. suis. Non mais bien sûr, mais je pense que dans tous les cas, fallait... Tu tèches le land, quoi. Ouais. Pour te laisser plus Tente. d'options, en fait. Terminé. J'entends supplémentaire. On pioche un Teferi. Ah bah il a concédé. Tu Heureusement. pioches bien. Mais je pense que là, il a concédé parce que pour lui, la game était trop longue et que lui, il veut juste monter le ladder avec son deck aggro. Ouais. Parce qu'il n'était pas encore en position de... Mais on avait un très bon setup, parce qu'on a 3 dons du paradis avec Teferi. Enfin, Ouais. il en faut 2. Donc du coup, Mais... ça veut dire qu'on dégageait beaucoup de mana. Ouais, mais encore une fois, si on trouve ni Nexus ni Fog comme la game d'avant, il avait encore un monde où il gagnait. Ouais. Mais tour prochain, vu qu'il avait plus qu'une carte en main, il mettait difficilement 12. Je pense Donc aussi. on avait 2 tours. On avait 2 tours. Mais Voilà. De regarde, toute la façon, game il a d'avant, elle concédé, donc. paraissait gagnée. Ouais, c'est vrai. On est parti et Mais tu vois, c'est c'est comme si tu prends la un combo et partie que tu où. fizzles, quoi. C'est la partie où, manque de bol, il a manqué la petite carte. Ouais. Et avec juste un fog à la game d'avant, je pense qu'on était bon. Ouais, En tout cas, exactement. voilà. Deuxième vidéo sur Mais ce on est deck. content de voir que le deck n'est pas imbattable. Oui, Mais c'est vrai qu'il a heureusement. tendance à perdre tout seul. Bah, C'est pas les autres qui c'est gagnent. ça. De voir qu'il perd tout seul, dommage quoi. Tu dis bon quand même Tu dis le deck est quand même OP sa quoi. seule faiblesse, c'est de ne pas être infaillible. Bon, ça veut dire que le deck est quand même très costaud quoi. Je trouve quand même le deck super incroyable. Je trouve qu'on a eu une méta tellement rouge, 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 que Ouais, moi, ça fait du bien d'avoir même ça. si le deck il a un pourcentage de winrate qui est peut-être un petit peu trop abusé, j'en suis pas encore scandalisé, personnellement. Surtout pour la méta de Magic Arena, même si je sais que vous aimez pas trop jouer contrôle parce que ça prend du temps en général et que vous avez envie de faire vite vos quêtes ou quoi, si vous jouez contrôle sur Magic Arena, donc en BO1, en une seule partie, Ouais, vous ce avez deck-là, éclaté. il est pas très bien. Il peut gagner, hein, mais franchement, il a un match-up qu'on contrôle à la game T'as 1 des cartes trop mortes. sans side qui est Qui est exécrable. exécrable, donc il se fait trop facilement contrer en fait. Juste tour supplémentaire contre, Je pense voilà. que ce deck-là, en vrai, sera plus un problème IRL que dans Magic Arena. Si Ouais, jamais il je doit être un pense, problème. On n'a effectivement. vraiment pas de recul encore pour parler du deck. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est juste que de la manière dont il a été conçu, je trouve ça incroyable. Les gens ont enfin trouvé la meilleure liste pour jouer Nexus. Et tu sais, on a l'impression que, voilà, quoi, ils sont arrivés au summum de ce que puisse. De l'art. De l'art, de ce que peut faire le deck. Genre, ben voilà, si tu veux jouer Nexus, ce qu'il y a de mieux, c'est ça. Ouais. Et juste pour ça, c'est cool. Après, on râlera plus tard si en fait ça devient un peu cancer et compagnie, quoi. Exact. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo qui nous a été demandée d'ailleurs. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi on refait une vidéo dessus et tout, on l'explique au début, mais ça nous a été demandé de revoir du gameplay sur ce deck. Yes. Également pour aller voir les rediffs de stream ou venir nous voir en stream parce que je On pense fait qu'on va le rejouer. 5-0 avec le deck. On fait 5-0 ouais, au stream de début août, je ne sais plus lequel. Ouais, bah attends, c'est simple, c'était tac tac tac, C'était le je 2 te le août, dis. me semble. Non, même avant. Même avant? Bah attends là, ça fait. C'était le 6. Ah, le 6, donc après. Ouais. Donc le stream de 6 août, pour ceux qui veulent voir du gameplay sur ce deck. Vous êtes plus de 2000 maintenant sur YouTube. Merci beaucoup à vous Oui, tous. merci Au moment où énormément. sort cette vidéo, normalement, on a dépassé les 2000, puisque à l'heure où on enregistre, vous êtes 1995. Donc je suppute que d'ici à ce que vous voyez la vidéo, vous allez être plus de 2000. Donc Yes, merci merci 2000 fois. énormément. C'est arrivé incroyablement vite. Merci 20 000 fois même. Merci 20 milliards de fois. Ouais, c'est énorme. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour dépasser encore plus ce chiffre, Pour n'est-ce pas? aller plus Incroyable. loin. Petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire, on les lit tous, on répond autant que faire se peut. Follow sur Twitch, follow sur Twitter pour ne rien manquer. Nos decks sur Magic Ville, le Discord incroyable, plus de 400 magiciens dessus, c'est fou. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie.
Thank you.